Cette affiche de l'exposition coloniale de 1922, réalisée par l'artiste et affichiste provençal David Delpiane, est une des pièces maîtresses de mes recherches en doctorat sur les arts aux expositions coloniales marseillaises. C'est aussi un objet majeur dans mes propres recherches qui porte sur la construction du savoir scientifique sur les populations colonisées au cours du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Cette affiche en est un vecteur de diffusion essentiel. Effectivement, c'est un outil essentiel de la propagande coloniale, mais c'est également une image incontournable dans l'histoire des arts sous l'époque coloniale et dans la carrière de l'artiste. Pour moi aussi, elle a de multiples dimensions. Dans mon approche, je croise deux champs d'études, celui de la race et celui du genre. Deux dimensions qui sont inextricablement présentes dans cette image. Cette affiche mise en lumière aujourd'hui est en fait une reproduction de l'affiche originale et elle me permet de parler de trois formes de matérialité différentes autour d'une même image. Il y a d'abord la composition picturale de Delpiane, qui est la dimension qui aura le plus de valeur artistique. Ensuite, il y a l'affiche originale qui est présente dans les collections du Musée d'Histoire de Marseille. Et enfin, on a cette reproduction ici présente. S'arrêter sur la dimension matérielle de l'objet invite à s'intéresser à sa diffusion et à sa réception. En effet, il faut savoir que l'affiche est d'abord un support commercial et devient au tournant du XXe siècle un objet artistique à part entière. La maquette de cette affiche avait été présentée lors du Salon des artistes français en 1921 à Paris, où elle eut un très grand succès auprès des acteurs de l'art. Cette affiche a donc un double impact, un impact auprès de la sphère artistique et un impact auprès du grand public. Oui, l'affiche de 1922 a été tirée à plus de 60 000 exemplaires qui, à l'époque, ont été placardés un peu partout sur le territoire métropolitain, dans les gares, dans les mairies, dans les hôtels, dans les écoles, ce qui a pu avoir un impact très important sur la constitution d'un imaginaire colonial et racial. Si l'œuvre illustre une coexistence, c'est d'abord celle des espaces. Celui de l'Empire français, évidemment, symbolisé par ces trois femmes au premier plan, mais également Marseille, lieu accueillant l'exposition coloniale. En effet, l'artiste suggère à l'arrière-plan une architecture marseillaise facilement identifiable. On voit Notre-Dame de la Garde qui surplombe la cathédrale de la Major et toutes deux font face à la rade évoquée par le bateau à vapeur qui rentre au port. Marseille est donc figurée implicitement comme un lieu de coexistence et comme la porte de l'Orient. Effectivement, et quoi de mieux que l'utilisation de la palette lumineuse du mouvement orientaliste pour montrer l'éclectisme de Marseille. Ce mouvement artistique était très apprécié pour l'utilisation de tons chauds qui devaient retranscrire l'exotisme du soleil oriental. Et cet exotisme est révélé par ces trois femmes, qui sont de purs archétypes, destinées à incarner trois aires géographiques de l'Empire colonial, l'Afrique du Nord, l'Indochine et l'Afrique occidentale française. Delpiane répond aux critères exigés pour un tel projet. En revanche, il met en place un fauvisme timide qui s'observe par des contours très marqués et des couleurs vives. Même si l'artiste n'a jamais évoqué une appartenance à une école picturale à proprement dite, on voit ici que les aplats bruts dans cette affiche sont vraiment en lien avec la production des fauves à l'époque. Cette affiche de 1922 offre une représentation des colonisés comme étant ancrée dans l'espace français. A l'inverse, dans l'affiche de l'exposition coloniale de 1906, réalisée elle aussi par Delpiane, le groupe d'individus qui arrive à Marseille sur un bateau à balancier est présenté comme étant encore en transit. L'image illustre en ce sens un type particulier de coexistence politique et symbolique. La nation française, qui est symbolisée par le drapeau tricolore, semble envelopper et protéger ces femmes, incarnation de l'Empire colonial. Effectivement, cette forme de coexistence est souvent reprise dans les affiches génériques liées aux expositions coloniales. C'est par exemple le cas pour l'affiche d'Étienne Dinet, pour la section algérienne de l'exposition de 1906, où l'artiste représente une jeune danseuse orientale portant au-dessus de sa tête le fameux drapeau tricolore. Oui, les peuples colonisés sont souvent féminisés et infantilisés dans les discours et dans l'imagerie coloniale pour démontrer la nécessité d'une mise sous tutelle par le colonisateur. La représentation de ces trois personnages renvoie par ailleurs à la hiérarchie supposée entre les différentes possessions et les différentes populations de l'Empire.
On distingue une femme qui incarnerait l'Afrique du Nord, qui tient ce drapeau tricolore, et qui symboliserait une civilisation qui serait plus avancée, car plus anciennement colonisée par la France. Au centre, une femme qui représenterait l'Indochine, et qui, par la statuette qu'elle tient dans la main, incarnerait l'idée selon laquelle les peuples d'Asie seraient des peuples de culture. Enfin, une femme assise à leurs pieds représenterait l'Afrique subsaharienne et la proximité à la nature. Elle porte les stéréotypes courants véhiculés à l'époque sur les populations africaines, comme le sourire bon enfant et naïf que l'on retrouve également dans la publicité Banania. C'est une coexistence humaine, raciale, dans la phraséologie coloniale qui est représentée ici. Effectivement, on voit ici une posture assez frontale, des vêtements colorés, un regard fixe, et on voit aussi que les objets deviennent des accessoires iconographiques qui, associés à la posture de ces trois femmes, révèlent le regard de l'Empire sur ces colonies. Et ce regard évolue si l'on compare cette affiche de 1922 avec une autre affiche de 1941 où les colonies sont incarnées sous des traits masculins et virils, ce qui est à comprendre dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, du besoin en hommes, en soldats et en main-d'œuvre. Delpiane retranscrit ici cette diversité de coexistence en lien et en mettant à l'honneur les liens entre Marseille et les colonies, mais il se détache pourtant des productions des peintres orientalistes et coloniaux de son époque. On voit dans cette affiche qu'il met en avant une sorte de coexistence artistique mêlant les thèmes propres à la peinture orientaliste, la touche picturale propre aux artistes fauves. Également, on voit une forme de choix typographique très original, inspiré de l'art déco, comme le montrent ces hauts suspendus qui semblent former un visage abstrait dans le mot colonial.